on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est unboxing du samedi avec la boutique Diamond Art Gif. Alors, aujourd'hui, ça va être du spécial Diamond Painting. Il n'y aura que du Diamond Painting. Je vais vous présenter trois kits, pas des grands kits, mais trois jolis kits. Alors, deux que c'est Chouchou qui avait choisi, un que c'est moi qui l'ai vu, j'ai craqué quand je l'ai vu, mais je ne sais pas si c'est Chouchou qui le fera ou si c'est moi. Voilà. Tiens, t'es revenu? T'es revenu voir maman? Je vous mets une petite photo pour vous montrer où elle était. Elle s'était mise dans sa caisse de transport. Oui, donc le troisième, c'est moi qui l'avais choisi parce que je l'ai trouvé trop rigolo et ça me faisait penser à Pacha, à notre bichon. Voilà. Je vais me mettre face bureau pour vous montrer ça. Puis voilà. Allez, à tout de suite. Alors, premier DP, donc c'est celui que moi j'avais choisi justement. Alors, dedans, on a comme d'habitude le petit tool kit, hein, tout simple, la petite glue, le plateau, le petit stylet rose. On a bien sûr des perles. Alors, nous, moi, ce sont des rondes. Alors, elles sont déjà coupées par référence. C'est des chapelets, mais elles sont déjà découpées par référence. Voilà, je vais y arriver. Donc, je vous montre les couleurs. Voilà. Donc, il va y avoir beaucoup de bleu. Un joli camaïeu de bleu. Un peu de gris quand même, hein, il en faut. Un petit peu de rose. Ah, là, il y a un... J'espère qu'il y a besoin que d'un sachet parce que je vois que ça a été mal coupé. Mais bon, on verra bien. Un petit prune. Ça, c'est le... Ah, je croyais que c'était le 939, mais non. Voilà. Du gris. Là, pareil, le sachet est coupé. Mais bon, je pense que c'est... Que j'ai besoin que d'un sachet. Ça a été... Ils ont eu du mal à couper quand il ne fallait qu'un sachet. Ah, ben, le 939, le voici. Donc, il y en a quand même un petit paquet. Ah, c'est une perle qui se promène. Un joli turquoise. Un petit marron. Enfin, beige plutôt. Oh là! Alors là, ils m'ont... c'est marqué 30, alors attendez, c'est marqué 37,60, mais au crayon, alors dans ce sens-là, ça fait 806, dans ce sens-là, ça fait 909, 908. Alors, je sais pas à quoi il correspond, bon, je verrai à quoi ça correspond, je vais le mettre de côté, on va regarder après. Et ici, voilà, le dernier. Et celui-là, je l'ai trouvé trop rigolo. Vous allez voir. Il y a 21 couleurs. Regardez comment il est trop choupinou. C'est Pacha en rappeur. Ouais. Yes. Il est trop choupinou. Attendez, on va bien remettre la feuille. Ah ouais, j'ai craqué quand je l'ai vu. J'ai dit, oh... Mon petit Pacha en rappeur. Voilà. On va bien remettre de l'autre côté. Bon, ça, c'est pas grave hein, qu'il y a des plis comme ça sur le plastique. Hein. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas de plis sur la toile. Voilà. Je pense que... Ouais, si, je crois que c'est de la colle coulée. Voilà. Donc, ça, c'est bien.
Et regardez-moi ça, comment il est mignon. Il est trop chou. Ah, j'adore. Niveau impression. Alors, attendez, on va peut-être enlever le flash. Non, on verra rien. Voilà. Niveau impression, bah écoutez, ça va. Hein. Voilà, là, il y a un petit dé qui se promène tout seul. Vous voyez, là, il y a une petite couleur. Ouais, il y a que là qu'il y a un dé. Là, il y a un A qui se promène tout seul. Ça, c'est quoi? Ah, là, c'est un K tout seul aussi. Mais là, le K, il y en a là. Et le K, c'est... c'est le numéro 2. Non, c'est le numéro 315. Oui, mais il faudrait que je cherche. Parce que là, c'est vrai que c'est pas mis par numéro, mais c'est pas grave. Alors, ce que je voulais voir, c'était celui-ci. Alors, est-ce que 3760, est-ce que... Non, on n'a pas le 3760. Mais alors, est-ce qu'on a soit le 908? Je n'ai pas de 908. Par contre, j'ai le 806. Voilà. Donc, ce petit sachet-là correspond bien au 806. Donc, c'est une erreur d'emballage, certainement, puisque là, c'est marqué 3760. Et le 806, c'est le E. Et donc, le E... Où est-ce que je vois du E? Là, j'en ai un. Là, j'ai un E. Oh, je ne peux pas en avoir que là, quand même. Vous voyez, quand on regarde de près, on a des perles... comment? Toutes seules. Mais le E... Je n'ai qu'un. Ah, là, j'en ai encore deux. Ah, je commence. J'en ai un peu plus ici, dans la pâte. Il y en a un petit peu. J'en ai un dans la ceinture. Hmm. Ah, je crois que celui-là, il va falloir le faire, mais par couleur. Pour les blocs, ça va, mais pour les petits, il va mieux falloir le faire par couleur. Bon, c'est pas très grave. Mais je l'adore, il est trop choupinou. Alors, c'est, vous n'avez pas la référence du kit sur les perles, mais la référence est ici. C'est un 30-40 en taille réelle. Oh pardon, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Il fait, c'est un petit 23 sur 32,5. Voilà. Mais je l'adore. Il est trop choupinou. Alors, ce petit chiot, bah pourquoi j'ai pas mis son prix lui? Ah bah mince, j'ai oublié de mettre son prix sur mon carnet. J'ai mis le prix des deux autres, mais pas de celui-là. Bah, je rechercherai, je regarderai. Mais ça doit être à peu près dans le même prix que les autres. Les autres, c'est 4,99. C'est peut-être dans le même prix à peu près. Mais je vais vous le remettre à l'écran. Et puis, de toute façon, je vous mettrai le lien. Le lien en barre d'infos. Ici, j'ai donc le deuxième DP. Donc, celui-là, c'est un DP que Chouchou a choisi. Et vous pouvez voir que les perles sont mises dans des sachets zippés. Voilà. Ben, là, j'ai peut-être même pas besoin de déballer pour vous montrer les couleurs. Alors, attendez. On va peut-être, par contre, enlever le flash. Voilà.
et on va se mettre comme ça. Regardez-moi les couleurs. Vous pouvez voir directement les couleurs comme ça. Marron, jaune, voyez. Bleu marine, un prune, un beige clair, rouge, un prune plus foncé, un beige un peu jaune, cacadois, moi j'appelle ça, du gris, du bordeaux, du jaune, encore un gris, rouge, beige, rouille, là un prune mais très foncé, et ici normalement c'est le noir. Et donc vous voyez, c'est dans les sachets zippés avec le petit diamant comme ceci. Et chaque sachet est numéroté. Voilà. Bah là, du coup, j'ai pas besoin, pour une fois, pas besoin de vous les déballer. J'espère que vous les aurez bien vus. voici le petit toolkit hein, qui est toujours mis avec. Et c'est un 30-40. Voilà, vous avez la référence du DP ici, mais elle n'est pas sur les sachets. Donc, si vous voulez ranger à part, pensez à coller une étiquette avec la référence du DP sur votre paquet de perles. Donc, on a 21 couleurs. Et alors, attendez, je vous remonte un petit peu. Voilà, 21 couleurs pour un mandala. Ouais. Chouchou est dans les mandalas en ce moment. Il est très joli. Les couleurs vont être très belles. Alors, vous retrouvez la légende en haut à gauche, en bas à droite, avec à chaque fois la petite image. Voilà. Du petit mandala. Niveau impression. Bon. Le plastique, faut toujours bien le remettre. Hein, mais ça, vous avez l'habitude hein, aussi. Ou vous enlevez le plastique et vous mettez un papier sulfurisé. Voilà, bon là, je fais en vitesse. Hein, comme ça, juste pour vous... Ah, alors, il ne voulait pas s'en aller là. Voilà, c'est un petit peu mieux, voyez. Alors, les légendes. Attendez. Hop, voilà. Donc, les numéros qu'il y a sur les sachets, les symboles que l'on a sur la toile et les références DMC. Voilà. Donc, vous voyez, le 2, c'est le 310, c'est bien ça. On va avoir... Non, il n'y a pas de 939. Voilà. Et bien sûr, il n'y a pas de blanc puisqu'on n'en a pas vu. Donc, ce sont des lettres majuscules et des chiffres. Voilà. Alors, niveau impression, bah écoutez, c'est top, hein. Il n'y a rien à dire. C'est très, très bien. Ah, j'ai oublié de regarder. Bon, niveau colle, de toute façon, c'est toujours bien. Voilà. Il n'y a pas de problème. Alors, ce petit DP, bah, du coup, c'est chic parce que là, je peux ranger d'un coup. Ce petit DP mandala est au prix de 4,99 €. Voilà. Troisième et dernier DP pour cette fois-ci avec la boutique Diamond Argif. Alors, comme d'habitude, hein, le petit toolkit. Il y a un petit toolkit que je n'ai pas remis. Je crois que c'est dans le toutou. C'est pas grave, on en a plein. Alors, on a 25 couleurs pour cette fois-ci. Et là, c'est pareil. C'est les petits sachets avec le diamant. Donc, c'est super. Je n'ai pas besoin de déballer. Alors, on a trois marrons différents, là. Un prune. Un rouille, un bleu. Il est beau. Alors, celui-là, ça doit être le 939. On va vérifier. Bleu, un vert turquoise, du bleu, du rouille, deux sortes de bleu. Voilà. Ah, attendez.
Ah non, c'est parce qu'il y a il y a eu des petits bleus mélangés. C'est pas grave. Un autre rouille, un vanille, un beige clair, un beige plus foncé, du gris, un vert, vert poubelle. Et ça, c'est peut-être le noir. Voilà. Ah, vous voyez, c'est pratique quand c'est comme ça. Il n'y a pas besoin de tout déballer. Donc, pareil, on a la référence du DP ici. Donc, pensez, si vous les mettez à plat et que vous rangez vos perles à part, de mettre une petite étiquette avec la référence du DP sur votre paquet. Voilà. Donc, c'est un 30-40 également. Hop, alors, attendez, je vous remets bien le plastique tout de suite. Comme ça, vous voyez mieux. Hop. Maintenant, c'est rare que l'on trouve des DP avec, vous savez, les papiers opaques qu'on avait avant, les papiers blancs. Ça devient de plus en plus rare d'avoir des DP comme ça. Alors, voilà celui-ci. Donc, lui, il est dans les tons bleus. Vous voyez, je pense qu'il va être très, très joli aussi. Je le verrai plus dans ce sens-là, non? Non. C'est parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas bien centré. Je ne sais pas si c'est une idée que je me donne, mais le milieu est là. Non, ça doit être un effet d'optique. Alors, ben, je vais mesurer en même temps. Ça fait 25,5. Donc, 25, c'est 12,5, 12,75. Le milieu est là. Non, j'ai raison. Il est le centre. Il aurait fallu le décaler un petit peu par là. Mais bon, c'est pas très très grave. Oui. Moi, quand je veux encadrer, je peux encadrer comme ça. Hein, mais puisque là, ils sont bien entiers, là, ils y sont moins. Bon, ça doit être comme ça. C'est le dessin qui doit être comme ça, certainement. Alors, vous retrouvez en haut, pareil, en haut à gauche, en bas à droite, la légende qu'on va regarder tout de suite. Hop. Voilà, donc on a des chiffres. On a le 310, hein, les noirs. Ah ben non, toujours pas de 939. C'est moi qui me trompe. Mais bon, il existe plusieurs bleus marines, hein, donc voilà. Donc, lettres majuscules et des chiffres. Niveau impression, ben, ça va être pareil, hein, il n'y a pas de souci niveau de l'impression. Voilà. Je pense qu'il va être très beau. Et niveau colle, ça colle. Voilà. Ça colle, Anatole. Donc, celui-ci ben, est exactement au même prix que l'autre, c'est-à-dire 4,99 €. Voilà, ben, je remercie beaucoup la boutique Diamond Argif pour ses 3 DP. Ils ont toujours de très jolies choses également sur leur site. N'hésitez pas à aller voir. Code promo, je ne sais plus. S'il y en a un sur l'écran, ben, c'est qu'il y en avait un. Et vous le retrouverez également en barre d'infos avec le lien de la boutique et le lien des articles que je vous ai présentés aujourd'hui. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse, moi, pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.